Contrainte. Depuis toujours, libre comme le vent, personne n'ayant d'emprise sur le temps, cumulant çà et là moments de douceur, sachant reconnaître leur grande valeur. Engoulevent et brise douce, étendue, reposant sur la mousse. Profitez sagement du moment présent, car tout se vit dans cet instant. Chacun est responsable de son bonheur. Qui sont ces gens qui donnent l'heure? De quel droit s'empare-t-il de la vie? Comment ose-t-il ne pas respecter autrui? C'est que, en maître, en roi, on se doit de respecter leur choix. Tout autour d'eux, ils sèment le bon. Quelles sont leurs réelles intentions? Bonjour, bienvenue à l'émission La Vallée des Arts. Je vous remercie d'être là, fidèle au rendez-vous. Aujourd'hui, on a une artiste invitée qui est très colorée. Vous pouvez le voir derrière moi. Il y a peut-être des gens qui la connaissent déjà, qui la reconnaissent par ses couleurs. Je vais vous présenter dans quelques instants une artiste pour qui cette étape est très importante. Voici Mireille Vézina. Bonjour Mireille. Bonjour. Viens-t'en dans le décor. Mireille, on a plein de choses à se dire. À peine une petite demi-heure, je vais te laisser aller. Tu fais de l'aquarelle, des techniques mixtes. Tu intègres tout ce qu'il y a dans ta vie, dans tes peintures, jusqu'à un certain point. Ouais. Tu sers de tout. À peu près. Bon. Ben, disons que j'ai déjà fait toutes sortes de trucs, autant de la décoration, j'ai fait des meubles, du design, je peux faire, dans une maison, je peux tout faire, tu sais, construire une bibliothèque, faire les draperies, les coussins, attention, tu vas avoir des contrats, là. Non, j'en fais plus, c'est pas, j'en ai déjà fait, c'est déjà beaucoup. OK. Et, ben, la peinture, ça vient, tu sais, deux parents artistes, c'est difficile de pas venir un jour, là, parce que les deux parents étaient des artistes peintres et mon père était sculpteur, il a fait du graphisme, il était très, très, très talentueux. D'accord. Ma mère était très, très créative. OK. Mon père réaliste. Dedans, là. Ma mère, Tuto Moderne et Picasso, c'était son peintre préféré quand j'étais jeune, alors j'ai eu déjà une influence. Wow! Pis... Mais là, tu as fait des petits détours quand même, puis tu es revenue à ça, c'est ça qui t'habite. Ben, disons que pendant ma jeunesse, j'étais pas vraiment intéressée à faire de la peinture, puis souvent qu'on disait toujours que les peintres, c'est pas d'avenir, et puis on nous poussait beaucoup vers les carrières très modernes, universitaires, marketing, administration. Okay. Et j'ai fait un baccalauréat en administration marketing. Bon, OK. Après ça, tu as fait des détours, mais là, on est rendu là. Là, je suis revenue à la peinture, c'était vraiment, vraiment... C'est le bonheur. C'est là qu'on... Je me suis rendue... Mon Dieu, j'ai trouvé ma maison. Wow! Je me suis trouvée. Ça a ton pris univers. Toutes ces années-là. Excellent. Mais là, tu as juste plus de bagages, finalement. Oui, ça m'aide beaucoup, ça, quand même. On arrive avec le beau travail que tu as là. Ici, tu as des étapes. Ouais. Je te laisse aller. C'est toi qui connais les étapes. Okay. J'ai montré ta palette. Hein? On l'a déjà vu. J'ai sorti quelques couleurs vives et puis ça n'empêche pas d'en neutraliser. Ça, c'est une couleur plus oxyde, plus qui peut neutraliser la couleur. Mais là, on a les belles couleurs comme le bleu de phtalo, le rouge quinacridone. On a du gel, OK. Le gel, c'est important parce que quand on travaille à haute viscosité, on va essayer de garder le gel pour étendre la couleur, et puis ça va sécher moins vite. Et aussi, une chose qui est très importante, quand on met sa couleur, arroser en émulsion, et non pas la couleur, mais comme ça, à l'occasion, pour émulsionner la couleur. Bon, ben moi, je vais friser, là. Donc, la première chose que je peux donner en petit exemple, j'ai fait un fond coloré. Ça, ça pourrait être juste un fond coloré bien léché, juste pour faire un fond de couleur, pour voir ce qu'on fait comme texture. Donc, je ne vais pas faire ça très compliqué. Là, là, tu nous mets de la texture là-dessus. Je mets de la pâte à modeler. Excellent. Là, j'essaie de la pâte légère de Liquitex. Je vais mettre ça ici sur la toile pour montrer que la pâte, quand on veut la travailler, ben, il faut faire comme une espèce d'effet de... Tu sais, on fait une pression puis on l'amène avec nous. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Ça, c'est un exemple qu'on fait. On comprend bien. Et puis, mettons que je veux faire autre chose. Donc, je peux. On a des nouveaux instruments outils. Qui s'appellent les pinceaux catalyse. Oui, c'est ça. On peut les retrouver pas mal partout on le en ce moment. Wow. C'est ça. Hein, c'est quelque chose. En passant, on ne laisse jamais sécher rien. Aussitôt qu'on a fini d'utiliser quelque chose avec Rubik, c'est à l'eau. Donc, ces petits instruments sont assez extraordinaires parce qu'on peut faire la texture. Wow. Là, c'est des exemples que je donne. Okay.
on a une période de temps pour travailler l'acrylique. Hein? C'est pas. Oui, c'est rapide. Donc, je peux. Disons que si on prend trop de temps, ça va pas nous aider, mais on peut quand même prendre un certain temps pour jouer avec. On peut recommencer. Là, je pourrais faire une opération comme ça, voyez-vous, avec des couteaux. Oui, puis là, tu vas chercher tes couleurs en dessous, là. Il n'y a rien qui nous empêche de multiplier la texture. Si on a plusieurs instruments, pour juste donner des exemples, les outils qu'on trouve aujourd'hui. OK, mais c'est intéressant. Il y en a, c'est des couteaux qui sont un petit peu flexibles. D'ailleurs, ça va bien avec la pâte à modeler. Fait que ce côté pâte, je pourrais revenir ici, puis je pourrais m'amuser éternellement à faire toutes sortes de choses. Oui, éternellement avec un petit carreau. Voilà. Mais que de bonheur! Donc, ceci étant dit, je vais laisser cette belle toile comme ça, puis à un moment donné, bien, elle va servir à autre chose. Okay. On laisse sécher. Quand c'est sèche, l'acrylique, on peut sabler. Mireille, ça prend combien de temps sécher? À cette épaisseur. Dépendant d'épaisseur, ça peut être. Normalement, la pâte, là, très mince, ça peut prendre une heure à sécher, deux heures, trois heures. Il faut faire attention. La surface peut avoir de l'air sèche. Okay. Puis là, vous mettez à mettre des produits mouillés là-dessus et ça s'effondre parce que c'est pas sèche à l'intérieur. Mm-hmm. Donc, on fait attention à ça. Que ça soit bien, bien, bien sec. Bien, si on a de l'épaisseur, plus on a de l'épaisseur, plus c'est long à sécher parce que vous devez comprendre qu'à l'intérieur, la surface sèche vite, mais en dessous. Oui. Donc, il faut faire attention. C'est comme une plaie, ça. Ouais. Guérir en haut, mais en dessous, ça continue. On est mieux d'attendre quasiment le lendemain pour faire la peinture si on ne veut pas avoir de surprise. Okay. Surtout si on veut travailler un peu où la vie, comme on dit, la vie, ce mélange de peinture acrylique, moitié médium, moitié eau, ou pas plus que 50% d'eau, produits spécifiques, des couleurs de qualité. OK. Donc, là, on est sûr qu'il faut que notre pâte soit sèche, sinon ça c'est clair. Absolument. Ceci étant dit, il faut le prévoir. Ouais. Il faut que c'est vraiment par étapes, là. Toi, tu travailles par étapes. Bien, en général, il y a plusieurs façons de travailler à l'acrylique. On peut passer un fond coloré très simple puis se mettre à faire des textures. Puis, je dis toujours aux gens, bien, allez-y par section. Et non pas placer une texture là-bas, une texture là-bas. Faites-vous des fois un petit schéma, mais suivez une texture à l'autre, puis allez-y spontanément, puis vous allez voir, ça devient intéressant. Okay. Ça devient intéressant qu'il y ait comme une continuité dans ça. OK, parfait. Ou on peut faire aussi des fonds colorés comme ça. Bien, il y a un processus de forme par rapport à une autre forme qu'on construit en couleur. Et par la suite, on va faire des textures colorées avec des pochoirs ou des instruments, par-dessus un fond coloré. On essaie de faire une couleur différente pour qu'on voit. Ça peut nous amener à toutes sortes de... Voyez-vous, on voit la différence. Un vert avec du rouge. C'est moi qui décide dans quel sens. Le bleu avec une texture jaune et puis toutes sortes de trucs comme ça. Ici, ça joue constamment. Je dirais qu'on peut mettre facilement de la couleur dans la pâte légère de Liquitex. OK. La couleur va rester quand même intéressante. La raison pour laquelle on utiliserait ça, c'est qu'on veut aussi sabler. C'est dur de sabler des gels. On peut utiliser aussi des gels. Si on veut garder la couleur transparente, on va prendre un gel transparent épais pour faire des textures. Okay. On peut prendre un gel mat aussi. Ça va garder quand même assez bien la couleur. Il faut faire attention aux pâtes qui ont du blanc dedans parce qu'il y en a. Là, c'est pareil comme s'ils avaient mis du blanc dans votre couleur. Vous pouvez faire de la vivacité de la couleur. Oui. Et ça dépend toujours de ce que l'artiste veut faire. Hein? Ben oui, où on veut aller. Effectivement. On a plein de trucs. En fait, toutes les recettes sont bonnes. Il s'agit de savoir où on veut aller. Exactement. Hein? T'as des spatules en masse, hein, franchement? Ah, moi, tu les remets dans l'eau immédiatement, c'est ce que tu me disais tantôt. C'est sûr que c'est moins pire quand ça sèche, parce qu'à l'eau chaude, ça va partir l'acrylique sur des trucs en caoutchouc ou plastique. Ah, d'accord. Mais vos pinceaux, dès que vous n'utilisez pas, tout de suite dans l'eau, parce que vraiment, quand ça sèche, il y a un produit qui s'appelle la tête. Il y a un produit spécial pour nettoyer mais on ne veut pas commencer à nettoyer nos pinceaux constamment. Quand on peut avoir de l'eau pour le nettoyage, c'est plus rapide, c'est plus facile. Ce que je donne comme exemple, c'est que ici, j'en ai un que j'ai fait. Oui, mais attends, viens, je voudrais le montrer. Bon, dans le sens que je veux. Hein, j'ai fait ça dans le cadre d'un exercice que je montrais, donc j'ai fait ça aléatoirement. Mais c'est correct. Mais je me suis promenée, quand j'ai dit d'une partie à l'autre, je me suis promenée, puis ça a donné cela. Ça veut rien dire, la toile, la texture ne veut pas dire, ne va pas nécessairement
un reflet de ce que ça va être à la fin, parce que la texture, c'est un outil supplémentaire que j'utilise et non pas la fin en soi d'une création. OK. Donc, moi, je peux avoir de la texture, puis après, ça va s'en aller complètement ailleurs. Je ne veux pas faire, exemple, si je fais une fleur, je vais faire une texture en fleur. Non, non, moi, c'est comme abstrait, puis après, je crée quelque chose par-dessus. Parfait. Ça fait des dimensions, c'est ce que j'aime. Eh oui, la on magie. Le voit très bien. Ça crée la magie et tout ça. OK. Moi, quand je commence une couleurs, toile. Des couleurs. Donc, je mets mon pinceau dans le gel, puis j'ai un pinceau en biseau, puis il faut qu'il soit assez rigide pour travailler. Okay. Puis normalement, on peut être sur sa toile et travailler avec le pinceau comme ça pour pouvoir bouger vers les formes. Là, on est ici, c'est toujours un peu plus difficile. Des fois, on va avoir tendance à faire ça quand on est à plat. Ouais. Mais c'est pas grave. Alors, je vais commencer à faire de la couleur, puis je vais prendre une petite couleur. Et je vais peut-être ajouter un petit peu de blanc si je veux que ça soit plus couvrant, d'accord? Mais vraiment pas beaucoup. Okay. Donc, je vais commencer. Et là, peut-être que j'ai une affaire que j'ai oublié de faire. Ah, mouiller votre pinceau. Mouiller le minute. Pinceau. Oui, parce que là, on travaille de la haute viscosité. D'accord. Et on ne travaille pas à la brosse sèche. Bon. Mais c'est correct qu'on l'ait oublié, parce que ça nous permet de le préciser. Là. Voilà. Alors là, comme je ne travaille pas à la brosse sèche, je vais faire ça. Tout à l'heure, je vais vous montrer quand je travaille à la brosse sèche, quand j'arrive sur les textures. Okay. Donc, moi, ce que j'essaie de faire aussi, c'est de ne pas répéter la même couleur. Je vais peut-être sur un fond de toile, je vais faire peut-être 4-5 tâches pour ne pas avoir un fond uniforme. Parce que là, je veux que ça soit magique. Puis ça, c'est comme déjà écrire une histoire. On arrive avec un fond qui est déjà coloré. Donc, puis là, je vais jouer avec les bleus pour ne pas faire des bleus tous pareils. Dans le même chemin. Je vais faire varier les bleus si je suis dans le bleu. Donc, je ne vais pas essayer de faire un bleu, un bleu-bleu, un orange-orange. Bien, je vais absolument montrer ce dont tu parles. Là, il y a déjà trois bleus dedans. Trois, quatre. Bien, il y en a qui est un peu plus délavé, le bleu plus épais. Un petit peu de violet dans le bleu, ça va changer. Ça. Okay. Et on peut utiliser un autre bleu ici. Des fois, je vais mélanger des bleus pour créer des nouveaux bleus. Mais on fait attention, on reste dans la famille des bleus. Parce que si on va chercher... là, j'ai pris un rouge, alors si je mets un jaune, il faudrait que j'en mette une très petite quantité parce que là, ça va commencer à faire des couleurs beaucoup plus neutralisées qui vont aller vers des bruns ou des gris. Il faut savoir quand on connaît ces couleurs. Mais c'est intense. Donc, je vais revenir avec du violet parce que je suis toujours dans la même famille. On reste dans la même famille. Et je vais l'ajouter un bleu qui n'aurait pas rapport. Qu'est-ce que ça va me faire? Ça va me faire un autre... Mais c'est magnifique. Fait que je vais jouer comme ça, puis je ne vais pas trop réfléchir, parce que je vais aller peut-être un peu neutraliser cette couleur-là. Je vais aller voir ce que ça donne. Voyez-vous, quand on neutralise une couleur, là, je suis tombée dans une couleur un peu... Grisonnante. Un peu ennuyante. Bien, ennuyante, pas ennuyante. Par rapport à une couleur froide, elle sort pas. Oui. Voyez-vous? Par contre... Mais ça va nous donner de la perspective un peu plus tard. Non, c'est pas une couleur ennuyante. J'ai dit le mauvais terme. Une couleur un petit peu plus neutralisée, un peu plus terne. Tiens, on va vous la montrer de quoi elle parle. Quand on la colle sur une couleur froide... Celle-ci ici, là. Ouais, voyez-vous? C'est parce qu'il y a eu un mélange. Voilà. Mais ça, là, ça peut être une couleur extraordinaire si je la mets à côté d'une couleur vivante. Et là, je me suis dit, tiens, là, la quoi de mieux que lui donner vie à cette couleur? Excellent. Et là, si je fais ça, parce que mon œil se dit, il faut aller mettre de la vie ici. Et quand je fais un mélange de couleurs comme ça, je vais venir un petit peu taquiner. Je vais partir de l'extérieur, je vais aller un peu à l'intérieur en frottant en surface, sans aller trop profond. D'accord, sinon, ça va mélanger. Ça vous donne une idée que cette couleur-là devient... un petit peu plus intéressante. Donc, voilà. Fait que je vais faire... On fonctionne beaucoup par dégradé, là. Je vais pas compléter, mais je vais écrire une petite histoire comme ça. Là, cerveau gauche et droite en même temps. Je vous dis que ça se jase un peu, là. Je vais aller chercher un petit peu de rouge. Ouais, c'est parce drôle. Que je travaille... Quand je travaille en coloration, partage de couleurs, c'est vraiment le cerveau droit que je sollicite. Quand je te parle, c'est le cerveau gauche. Ce matin, il jase, puis là, il dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Le cerveau gauche, il dit, bien là, fais attention à ce que tu fais. Puis le cerveau droit, il dit, laisse-moi tranquille, je sais ce que je fais. Moi on va. C'est vrai, vous aurez, soyez surprise des interactions qui se passent entre ces deux cerveaux-là. L'observateur, puis celui qui veut organiser. Oui. Donc, alors, là, c'est bien, on sert des deux, au moins. Bien, disons que... Ah, c'est ça. Des fois, dans certaines créations, on va se servir des deux. Parfois, dans d'autres, on va être vraiment en alpha. Ça veut dire que là, on va vraiment être dans le cerveau droit. Et puis voilà, ça peut varier. Dépendant des personnes, dépendant de comment vous sentez une journée, c'est bien relatif. On ne peut pas toujours être en alpha, ça veut dire juste avec le cerveau droit.
Mais quand ça arrive, là, c'est super le fun. C'est un feeling. On oublie quasiment que le monde autour de nous existe. Puis là, si quelqu'un arrive pour vous parler, vous êtes vraiment en alpha, vous allez avoir de la misère à nommer un mot, de dire quelque chose, parce que c'est vraiment celui-là qui a pris toute la place. Et alors là, c'est sûr qu'en jasant de même... Que... ouais, c'est correct, je trouve ça extraordinaire. Bien, j'ai étudié, ça fait 4 ans que j'étudie à l'école de Magenta-Blou, l'école des coloristes à Montréal, avec Isis Dupéré. Que si vous, je vous la recommande, si vous voulez vraiment devenir coloriste, elle est extraordinaire. Ça a été fondé par Francine Labelle, qui est une peintre aussi extraordinaire. Puis moi, quand j'ai étudié dans différentes écoles, puis quand je suis arrivée là, je me suis vraiment trouvée. Wow. J'ai compris plus que j'étais une tactile, plus qu'une visuelle. Et ça arrive, des peintres, c'est comme ça. Mm-hmm. C'est pas un défaut en passant. Non. Mais c'est une autre façon de voir le monde des arts. Puis... Dans l'école des coloristes, on va aider les deux, autant les visuels. On arrête parce qu'on revient après la pause, mais toi, tu as le droit de continuer. OK, bien, je vais finir ça, moi, ça va être fait. On est de retour de la pause. Merci d'être là. Mireille est encore avec nous. On a ici le travail qu'on a fait tantôt à la brosse mouillée. Okay? La peinture mouillée sur mouillée, si on veut. Là. D'accord. Alors, on a fini avec ça. Mm-hmm. On va le mettre de côté. On laisse sécher. Puis, maintenant, on a ici, c'est déjà beau. Okay. Et puis maintenant, ici, on a un travail qui est plus avancé ou qui va l'être, en tout cas. Donc, on va travailler avec la brosse sèche maintenant. Là, ce que j'ai fait, on voit des traces noires ici. C'est mouillé ici. OK, ça, c'est pas grave. Les traces noires, moi, je m'amuse souvent à travailler avec du fusain assez mou. OK. Et ce qu'on fait, juste rapide, un petit exemple. Si je prends un fusain noir comme ça, OK, pour faire mon dessin, et j'allais chercher. Moi, ça m'amuse, puis après ça. Fais-moi pas honte aujourd'hui, toi. Bon, mais regarde, j'ai pas non, ça. Non, mais regarde, je vais te l'ouvrir. Tu vas en avoir, ce sera pas trop. OK. Long. Un petit peu de médium. Ça coule pas, hein? Il coule pas, c'est pas grave, on va prendre du gel, ça va faire la même affaire. Ouais. OK, je laisse tomber. On peut diluer son gel avec de l'eau. Okay. Quand on fait un fusain mou, ce qui est intéressant, c'est que le fusain mou, le fusain noir, fait quasiment comme un crayon, si on prendrait de la peinture, puis qu'on étire ça. Et on va laisser sécher. Okay. Fusain noir mou pour dessiner, des fois on a des grands formats, puis on peut corriger après avec de la couleur plus épaisse, on peut émincir ses bords très, très minces. Okay. D'ailleurs, c'est ce qu'on montrait un petit peu. OK. Non, on n'aura pas besoin de ça. C'est fini, finalement. Ça. Je ne vais pas sortir tout là. OK. Mais on a vu le fusain noir ici que tu as pu estomper. Exactement. C'est ça. J'ai fait comme ici. On voit une maison avec une autre maison. C'est très simple. Rien de compliqué. On voit des maisons. C'est 10 par 10. On s'entend que... Oui. Je vais fixer. Je ne le fixerai pas parce que ça pue. Là, on n'a pas vraiment besoin. Des fois, le médium va fixer. Parfois, quand même, il faut rendre le fixatif retouchable. Mais là, je vous conseille... Les autres, je vous le dis pas que ça marche. Lui, ça fonctionne. Okay. Moi, je ne suis pas spécialiste de toutes ces affaires-là, mais celle-là fonctionne. Rappelle-nous, qu'est-ce que tu veux faire avec lui? Tu fixes? Non, quand j'ai fini, je vais le fixer à la fin avant de peindre. Parce que ça va rendre le fusain, ou même si vous finissez une toile avec du fusain, vous fixez sans mettre de l'eau au médium, vous pouvez fixer avec un fixatif retouchable. Et ça va le rendre imperméable. On peut repeindre par-dessus. Bien, c'est ça que je voulais entendre. Il n'y aura pas de problème. C'est qu'on peut repeindre par-dessus. Et voilà. C'est ça l'important. OK. OK. Bien, prochaine étape. Oui. Je suis une travailleuse de brosse sèche et une spécialiste de frottis, comme on dit. Ah, bien, c'est bien. Donc, des fois, je vais utiliser des brosses un peu plus droites pour faire un frottis. OK. Et tout simplement... Il est mou, ton pinceau, hein? Non, il n'est pas si mou que ça. Okay. Non, bien, c'est... D'accord. On va. Ah non, ça c'est va? Bien. C'est bien, bon? C'est une belle texture. C'est ça. Donc, moi, ce que je vais faire, exemple, peut-être pour essayer de montrer ici... Il faut que le pinceau soit sèche pour la brosse sèche. Oui, et là, je vais essayer de le faire, juste pour vous montrer le côté intéressant de la toile ici que j'ai commencé à faire. C'est que je prendrais, par exemple, je serais sur... tiens, je vais aller me chercher une couleur, un petit peu de blanc. Puis, je vais pas... Il ne faut pas que mon pinceau soit mouillé.
Et là, le blanc, j'en ai trop mis. Fait que je vais revenir mélanger. Okay. Je veux un petit magenta. OK. Puis, on décharge son pinceau. Oui, okay. Il n'en restera pas beaucoup, là. Ah, c'est le but, là. Le but, en plus, c'est que je vais aller, juste pour le plaisir, là, je vais pas... je vais aller toucher ici ma pointe et je vais frotter ma texture pour aller jouer, justement, tout en laissant paraître ce qu'il y a en dessous. Oui. Je vais pas complètement... Je veux pas perdre ça. Je veux qu'il y ait une multitude de superpositions de couleurs. Mm-hmm. Mais attention, on essaie de s'affirmer. Là, c'est pas une petite tache là, une petite tache là, une tache là. C'est comme quand on peint. Hein? On passe de son cheminement puis on continue. Il faut qu'il y ait une suite dans l'histoire. Oui. Je pourrais, par exemple, aller chercher un petit côté plus orangé, juste pour aller chercher un autre exemple. Et puis, je partirais ici avec mon toit, qui serait le toit de la maison. C'est un exemple, là, le dessin, là, ici, c'est juste un prétexte pour faire jouer les pinceaux, là. Donc, voyez-vous, c'est le fun. On peut continuellement faire sortir les textures, tout en gardant les couleurs. Mmh. Et c'est une façon de... Tiens, je vais aller chercher un petit peu de blanc. Je vais aller faire une petite couleur neutre ici, pour aller chercher un peu... On voit bien que tu retires beaucoup. La maison en bas. Là, c'est juste pour le plaisir de faire des textures. Oui, absolument. Là, ici, je pourrais peut-être aller chercher un exemple du toit qu'on voit qui traîne comme ça. Bien, je vais le prendre ici, pour voir ça comme faut. Ouais. Oui. Donc, on peut travailler beaucoup à la brosse sèche pendant aussi longtemps qu'on veut. Pour la finition, par exemple, ça, c'est une autre histoire, on peut finir avec des glacis. Glacis, ça veut dire une glace, ça veut dire qu'on prend des couleurs transparentes et on va prendre un médium fluide, il peut être brillant ou mat. Puis là, on peut venir intensifier des couleurs avec des couleurs très pures, ça veut dire non désaturé, là, comme on va dire un rouge magenta, un bleu de phtalo, un vert de phtalo, des couleurs qui sont transparentes. Voyez-vous? Ça, pour les glacis, on essaie de prendre des couleurs transparentes. C'est là qu'on va avoir, on va intensifier. Mettons, je vais vous donner un petit exemple pour finir. Oui. Allons-y. Allons-y. On a encore quelques minutes. Vous allez savoir pas mal de choses aujourd'hui. Donc, je vais prendre une couleur qui est transparente. On était intense. Je suis intense. T'es intense. Je vais mouiller un petit peu mon pinceau, mais normalement, je prends un médium. Et je vous dis, l'acrylique, c'est pas une peinture à l'eau en passant. C'est un médium acrylique. Il faut pas trop diluer à l'eau. Parce que si vous diluez à l'eau, vous allez fragiliser le pigment. Ah. C'est l'acrylique qui protège le pigment. D'accord. Donc, si je m'en viens prendre un verre ici transparent, puis que je veux avoir vraiment une transparence, voyez-vous, là, je vais aller utiliser ça comme... ça peut être un pinceau mouillé, pas de problème. Quand on est en glacis, c'est comme en la vie. Mm-hmm. Donc, je vais faire ça. Ça serait ce qu'on appelle voyez-vous qu'est-ce qui arrive quand on fait un transparent? Wow. La couleur dessus va avoir un impact. Mm-hmm. Donc, il faut y penser quand on fait ça. Ça, c'est un glacis, c'est transparent. Moi, parce que tu bouges beaucoup, toi. Hein? Oui, fait moi, que je bouge tu parles, tu bouges. C'est parfait. Donc, ça vous donne une idée, là, les fonds colorés de couleurs plus couvrantes. Mm-hmm. À l'abstrait, on essaie de faire des tâches pour se créer un univers. Déjà, au départ, ça nous permet de... On peut construire quelque chose par-dessus. Mm-hmm. Il nous reste 2 minutes, Mireille. Tout ce qu'on veut. Tu vas dans la direction que tu veux, 2 minutes à donner encore à nos gens. Ben, disons que moi, j'ai donné une idée globale de ce que je fais, mais c'est sûr que c'est un peu plus long, l'apprentissage, l'application des couleurs. Absolument. Il faut venir me voir. Il faut venir me voir. Oui, c'est ça. Mais d'ailleurs, il y a ton site Internet qui va défiler à l'écran. C'est ça. Ça, on va te retrouver sans faute. Exactement. Bien, on va parler de ça. Tu voulais nous causer? Bien, je disais qu'en parlant d'application des couleurs, ici, on a un petit peu plus concret. L'apprentissage des couleurs par rapport à une autre couleur, Ça va vraiment... Il y a des exercices qui vous amènent à ça, par des exercices de collage de papier de couleur qu'on associe une couleur à la fois. L'œil développe. Et puis, on va faire des couleurs souvent qu'on pense pas faire, qu'on pense que ça va pas aller bien ensemble. OK. Parce qu'on peut avoir tendance, si on s'arrête aux couleurs complémentaires, les contrastes clair, obscur, chaud, froid, simultané, avoir une palette de couleurs, fois. Et voilà. Oui. Donc, ça nous permet, en ayant plus de processus de collage, va nous permettre aussi, puis de travailler vraiment sans réfléchir, mais laisser aller l'œil, la perception, de sortir de notre zone de confort. Spontanément, là, aussi, là, quelque chose qui n'est pas réfléchi. Laisser la magie arriver.
Donc, Mireille, écoute, on a eu du bagage, c'est incroyable. On aurait pu encore pendant une heure. Oh, ah, c'est facile. C'est facile. Mais ça, on te retrouve, on prend ton site Internet. Où est-ce qu'on peut te retrouver, là? On a retrouvé tes œuvres? Là, présentement, je ne suis pas en galerie parce que okay. je prépare une grosse exposition pour rentrer dans le Vieux-Montréal, peut-être pour les galeries Bourget D'accord. au printemps. Mmh, donc je fais des gros formats. Oui. Okay. Et, ouais. et un puis, beau on m'appelle pour avoir plus d'informations exact. Concernant okay. le, parallèlement si j'offre des ateliers ou pas. On me téléphone, okay. il n'y a pas de D'accord. problème. Un petit coup de téléphone, on visite le site Internet qui est magnifique d'ailleurs. Numéro dessus, tout est là. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci. Alors, j'espère que ça vous a plu autant que ça m'a plu. Et à la prochaine. Merci madame et bonne fin de journée. Moi, je travaille en français. Dans mon dépannage, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'impératif français. Femmes de tête, femmes de cœur, la région regorge de femmes passionnées qui font la différence. Faites connaissance avec ces femmes inspirantes dans l'émission Elle. TVR9, en collaboration avec Femmes Essor, Montérégie et les Cercles d'entraide de la Rive-Sud, est fière de présenter des modèles féminins, des services aux femmes et des capsules nutrition.